Salut, bienvenue tout le monde dans une nouvelle vidéo sur Vidi Info TV. J'espère que nous tous en forme. Et dans la vidéo, ça m'a bon nous, je haïtien qui était privilégié face à Real Madrid. Et c'est pas n'importe Real Madrid, non. Sinon, m'a parlé de Real Madrid, Zidane, Ronaldo, David Beckham, Guti, Real González Blanco, avec un pilote Gosta encore. Sous le compte de qui haïtien m'a parlé, qui gens ça t'est passé, qui laisse ça t'est passé. Mais c'est égal vidéo jusqu'à la fin pour plus de détails. N'importe quoi, vous bon, avant de commencer avec info, nous pouvons profiter de ce passage pour nous saluer quelques gens qui ont commenté les dernières vidéos que nous avons fait. Je salue David Info TV qui a commenté Luigi, ou va faire un délai de 20 vidéos dans l'après-midi. Et un bout déjà dit pour une vidéo de MLX Soccer prochainement. Je salue Enoch qui a commenté bon travail et Baz Kembela. Merci beaucoup, nous continuons de travailler. Je salue Matou Negoka qui a commenté Monsieur Bombaz en référence à Jean-Philippe Guillaume qui a fait une vidéo sur Grenadier. Et mais là, nous allons prendre une pause et puis après, nous allons retourner avec un fort. Le 7 mai 2005, il y a eu un match très amateur face à Racing de Santander dans Bernabéu en occasion 35e du championnat espagnol. Le match a été fini 5 à 0 avec l'équipe Real Madrid. Mais important dans le match, c'est est-ce qu'il y a eu une présence de joueur haïtien. Il jouait sa parole que France Bertin, monsieur là qui fait dans la capitale pays la France, Paris, le 30 mai 1983. Monsieur là, c'est un joueur qui est très polyvalent en matière défensive. Il a joué défense centrale, latérale et puis il a joué grandement dans le milieu de terrain défensif. Il était commencé carrière dans la catégorie inférieure équipe Juventus. Après, il a quitté le pays Italie pour le diriger dans le pays Espagne pour le diriger dans l'équipe Racing de Santander B, qui donc c'est pas pour l'équipe là. D'après le début avec la première équipe dans la saison 2004-2005, quand elle était disputée en quantité de 15 matchs dans le maximum catégorie championnat espagnol. Et après, il a joué dans l'équipe de Tenerife à l'Atlético de Madrid B. Et en 2008, il a quitté la compétition espagnole pour diriger dans le lycée à Naples, la Suisse. Et en 2009, il a joué dans Ofikrita et puis ça qui trouve une appel la grecque et puisqu'à présent c'est une équipe sa Grenadier militaire. Actuellement, la Grenadier a 36 ans, il mesure 1m82, il était participé dans le Gold Cup année 2007-2009 dans sa game pour avec la sélection nationale. Pour tout le thème principal vidéo, c'est que c'était match que France Bertin joue face à Real Madrid là, mais qui me disent que d'après une fois que je trouve sur internet là, il faut qu'on ait quelques jeux dans la même année ça tout face à Barcelone. Voilà, on peut lire notre pour nous, bon, on peut lire nos parties dans notre là pour nous. Partie qui est important. La Liga con él. En esa temporada 2004-2005 jugó 15 partidos de la Liga, 13 como jugador titular, uno contra Real Madrid de Ronaldo y otro contra el Barça. ¿Sabes qué significa que hoy? En la saison 2004-2005, il jouait 15 matchs en Liga, 13 comme joueur titulaire, une face à Real Madrid de Ronaldo et puis une tour face à Barcelone. Moi, je n'ai pas de preuve qu'il joue face à Barcelone, mais j'ai preuve assez qu'il joue face à Real Madrid et pas de preuve ça. Pour me vérifier si réellement le jeu match, je vais chercher un joueur titulaire de chaque équipe. Je vais la brouille, c'était Cassia Sambagolan, et bien en défense centrale c'était Samuel Walguera. Dans la latéral c'était Roberto Carlos Salgado. Dans le milieu de terrain c'était Gravenson, Zidane et puis Beckham. Raoul de demi-pointe. Et puis comme attaque en point c'était Owen et puis Ronaldo. Et puis pour Racing Santander, je vais regarder là, nous avons Mertin dans la défense. Là. Et Racing Santander qui joue avec 3 défenses, qui c'était Marathon, Audio et puis Mertin. Bon, la fin de nos commentaires, qui ça nous pense qu'on joue ici avec des grands stades de niveau de Zidane, Raoul, Ronaldo. Et puis, tu fais un point dans les commentaires qui ça nous passe des vidéos. Ça. Bon, c'est pas ça, moi, je fais une vidéo, mais j'espère que vous aimez mes vidéos. Si vous avez bien vu, ça un bon like. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye, ciao.